Voilà, la CAN 2021 est finie, vous l'avez compris, place à la CAN 2023 qui va arriver à toute vitesse. Et forcément, la question qui se pose, c'est de savoir si la Côte d'Ivoire sera prête, Charles. En tout cas, pour l'heure, sur les 6 stades annoncés, 2 sont quasiment terminés. Le stade olympique d'Ebimpe, d'une capacité de 60 000 places, inauguré en 2020 et dont les derniers travaux ne concernent que la pelouse et les voies d'accès. Et l'autre stade qui est presque terminé, c'est celui de 20 000 places à Yamoussoukro. 3 autres enceintes seront livrées dans 4 mois, soit en juin 2022, selon l'ONS, l'Office national des sports de la Côte d'Ivoire, le stade de la paix de Bouaké, le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo et le stade de San Pedro et les derniers stades. Le mythique Félicia, le stade à Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui connaît des grands travaux de réhabilitation, doit être livré au plus tard le 31 décembre 2022, soit à 6 mois du coup d'envoi de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Une édition donc qui se déroulera dans 5 villes qu'on a placées sur la carte juste derrière vous, Vincent. Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Bouaké et Korogo. Franck, c'est votre pays de cœur, on le sait. Qu'est-ce que vous savez de l'avancement de ce dossier? On est dans les temps ou pas? Oui, ça travaille, ça travaille. Effectivement, ils sont dans le tempo. Et Bimpe est prêt, voilà. On sait que le problème principal concernait la pelouse. Gazon, voilà. Ouais. On s'en est rendu compte lors des matchs, du match notamment contre le Cameroun à l'automne dernier. Et pour le reste, que ça soit Bouaké, que ça soit San Pedro, on sait qu'on s'active sur le terrain. C'est très important. C'est un défi très important pour le pays, pour la population aussi, y compris dans le nord, à Korogo, dans la région du Poro. Ils sont vraiment en train de faire le maximum parce que, évidemment, le Cameroun a lancé un grand défi d'une certaine façon, avec cette compétition de très jolis stades, des ambiances, tout ça. Ouais. Une CAN à 24 qui a été un succès. Et pour le coup, ben, les Ivoiriens, ils ont envie d'être aussi à la hauteur. Alors, est-ce que ça sera aux dates que vous avez annoncées, Charles? J'en suis pas persuadé. Il peut y avoir un glissement. Je crois que c'est le mot maintenant qu'on utilise. Les dates d'achèvement des travaux, vous voulez dire? Pas forcément sur de compétition. Sur la phase finale du tournoi. Il n'est pas sûr que ce soit à ces dates-là encore. Comment on peut jouer au mois de juin à Abidjan? Voilà.